Good morning, Alei, Dan et Sus, aujourd'hui le Nishmat Moïse Rabbi Shmuel ben Shlomo Zalman, Nissim ben Nahouda, Sarah ben Chana Rachel, Shomo ben Esther, Richard ben Trim, Nechemia, ainsi que le Fouat, Avraham, Uri ben Rout, Betor, Shachol Israël. Si vous souhaitez vous aider à une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions la Sechet Zavachim, Berikret, Mishnah Zain. Nit'arev bedam psulin, ishafech la'ama. Bedam tamtzit, ishafech la'ama. Rabbi Eliezer Marchir, Im lo nimlach venatan kasher. Depuis la Mishnah précédente, on a commencé à parler des mélanges de sang. On est, pour rappel, on est dans le Perek Hata'arovet, Kol Azorim Shinita'arvu, les mélanges des korbanot à différents niveaux. Dans la première partie du Perek, on a parlé des mélanges de sacrifices d'animaux vivants qui se sont mélangés dans des bémot roulines, dans différents kochim de différentes sortes. À présent, depuis la Mishnah précédente, on a commencé à parler des mélanges de sang. Dans la Mishnah précédente, on a évoqué le sang qui se mélangerait avec de l'eau ou avec du vin ou avec du sang qui n'était pas d'un corban mais qui était plutôt le sang d'un animal profane, du sang d'un animal sauvage. Ouais, le principe général de la Mishnah précédente était de nous dire, écoute, j'ai une solution simple. Si la concentration du sang kasher, elle est encore assez forte, eh ben le mélange, le sang initial, donc du corban, ne s'est pas encore perdu, il est encore là présent, tu peux le jeter sur le misbéar. C'était la notion véhiculée dans la Mishnah précédente. Par exemple, ça se mélange avec de l'eau, est-ce que le sang, il avait encore une couleur rouge assez vive pour considérer que c'est encore du vrai sang? Donc dans ce cas-là, même s'il y a de l'eau, c'est pas grave, tu prends le mélange, tu le jettes sur le misbéar. Idem avec du vin, tu considères que c'était de l'eau, ou encore avec un autre sang qui n'était pas d'un corban. Le principe de notre Mishnah maintenant va être de nous parler des mélanges de sang entre korbanot ksherim et korbanot invalidés. Là, ça va devenir plus strict. On ne va plus proposer la solution de s'il y a une allure de sang ou il y a une concentration suffisante de sang. Non, on ne va plus permettre d'asperger le sang sur le misbéar. On va expliquer ensuite pourquoi. On va passer la Mishnah en plusieurs couches en fait. D'abord, on va s'attacher au mot et à comprendre un peu la structure de la Mishnah. Il va y avoir deux cas, une discussion avec Rabbi Eliezer, puis après le cas a posteriori. Et puis ensuite, on va commencer d'abord par expliquer ensuite c'est quoi chacun des cas indépendamment très rapidement. Expliquer à Rabbi Eliezer sur quoi il discute précisément. Et puis ensuite, on apportera un peu plus de précision sur le début de la Mishnah. Nit'arev bedam psulin. Le sang s'est mélangé dans du sang de korban invalidé. Ouais, j'avais une ola. Donc j'étais en route pour aller le mélanger sur le misbéar. Un ami qui avait, lui, dans son misra, qu'il avait récupéré du sang d'Achatat, qu'il avait gorgé les Shem Ola. Donc le korban, il a été invalidé, parce que vous savez bien, depuis le début de Zvachim, lorsqu'on égorge un korban Khatat au nom de quelque chose d'autre, eh bien le korban est invalidé. Donc de ce fait, il y avait du sang invalide, j'avais les deux misraques, et je ne sais pas pourquoi, est-ce que ça m'a pris, je les ai mélangés. Qu'est-ce que je fais avec ce mélange? J'ai versé un petit peu, puis après je me suis arrêté, et je me suis dit, mais non, qu'est-ce que je fais? D'accord, c'était trop tard, en tout cas, j'ai déjà commencé à verser du sang non cachère, inapte d'un corban invalidé, à le mélanger dans le sang cachère. Qu'est-ce que je fais maintenant avec le misrak dans lequel se trouve le sang cachère? Est-ce que je le verse sur le misbéar ou non? Et la Mishnah m'enseigne, ishafer la hama. Il faudra le verser dans la hama, le petit cours d'eau qui est passé dans le Betamigdash. D'accord? On va tout expliquer ensuite. D'abord, je vais vraiment présenter la Mishnah, puis après mieux restructurer le cours. Bedam atamtit, maintenant, si le sang kasher s'est mélangé avec du dam atamtit. Le dam atamtit, je ne sais pas comment ça se traduit tout d'abord. Je ne sais pas si la notion existe en français. Je vous explique, c'est une notion purement juive des corbanotes. Lorsqu'on égorge le corban, lorsqu'on abat un animal, il y a le sang qui va s'écouler, il va s'écouler de deux manières. Dans un premier temps, il va y avoir ce qu'on appelle le dam anefesh, littéralement le sang de la vie. Lorsque l'animal est en train de mourir, même s'il est déjà mort, mais il y a de la pression artérielle, il y a le sang, il est chaud-tête, il coule avec abondance. Et puis, va venir le moment où maintenant, il a commencé à se vider pas mal de son sang, et il n'y a plus de sang qui va couler de manière forte, qui va être chaud-tête, vécolère, qui va s'écouler fortement. Il va y avoir certes du sang, par contre, qui va s'écouler plus doucement, ou si vous allez appuyer sur l'animal, il va y avoir plus de sang qui sort. Le premier sang s'appelle le dam hanefesh, le sang de la vitalité, parce que c'est par lui que l'animal est en train de vivre. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle de cette manière. Je suppose que c'est, puisqu'il y a de la pression artérielle, donc c'est la possibilité
pour le sang de circuler dans le corps et l'alimenter. À la différence du dam atamtsit, mais la chambre l'itmatse. Mitmatse, c'est quelque chose qui se concentre pour s'écouler de manière naturelle, sans pression. D'accord ? Nisrat, le. Tu fais Israël, la pote. Mitmatse, venisrat, veshotet. Non, c'est l'autre, d'Afka. Enfin, c'est voilà, je le retrouve plus, mais c'est pas grave, faites-moi confiance. Non, faites pas confiance. Dam atamtsit, c'est le dam shemitmatse, venisrat, veshotet, mibet ashrita, veno yotse bekiloach. C'est celui qui ne sort pas avec abondance. D'accord ? Il n'est pas sous la clava. D'Afka, le mot shotet, je l'ai mal utilisé tout à l'heure. Shotet, c'est qui s'écoule, mais je pensais que. Qui s'écoule sans abondance, mais qui tourne. D'accord, c'est clair ? Donc en fait, on a donc deux niveaux de sang. Pour un korban, la Torah a insisté que tu dois prendre la vitalité de l'animal et l'offrir en offrande. Et si tu ne prends pas la vitalité de l'animal, on ne t'a pas demandé de verser du sang, du liquide rouge qui circule dans le corps. On t'a demandé de prendre ce par quoi l'animal vit, le récupérer et d'aller le jeter. Le pasouk qui rapporte Rashi, qui ne fait que le bassar, badam ou vanin atatif lachem à la misbeh lachaper. La vitalité, elle se trouve dans le sang, et moi je vous ai donné le sang pour expier vos fautes. D'accord, je vous ai donné l'âme pour expier vos fautes. C'est la traduction du pasouk rapporté dans le Barthénora, où donc on voit cette notion du dam à nefesh. Alors ce qui se passe, c'est que maintenant j'avais mon dam à nefesh, j'avais le bon sang récupéré dans le misrak, en direction pour aller le jeter. Et puis je sais pas ce qui m'a pris, j'ai voulu rajouter du sang dessus, j'ai récupéré du dam atamtsit. Donc ce sang qui était invalide pour le korban. Et bien dans ce cas-là, la Mishnah m'enseigne de nouveau, ishafer la hama. Tu devras le verser lui aussi dans le petit cours d'eau qui passait au Beth Amikdash, qu'on va expliquer après. Rabbi Eliezer maintenant. Sur ça, il y a Rabbi Eliezer qui vient qui nous dit marchir. Non, ça marche, c'est kasher. D'où la question sur quoi Rabbi Eliezer discute. Il va y avoir deux interprétations. Est-ce qu'il se rapporte juste sur le mélange du dam atamtsit ou même sur le cas où le mélange s'est produit avec du sang d'un korban invalidé. Ok. Et maintenant, la Mishnah se conclut en me disant. Sache que malgré tout, si le Kohen n'est pas venu se concerter, les himaler en hébreu c'est se concerter, nimlach. Donc si le Kohen n'est pas venu se concerter avec un rave, mais il a pris du banc, c'est pas grave, un mélange, le mélange d'eau, hein, il a jeté. Eh bien, a posteriori, la Mishnah enseigne que sache que le korban il est kasher. Tu t'es acquitté du devoir d'apporter ton korban. Et ça, c'est d'après tous les avis. Voilà pour la présentation de la Mishnah. Donc finalement, si je récapitule, on a deux cas évoqués par Tanakama sur les mélanges avec du sang non valide, soit parce que le sang il provient d'un korban qui est invalide, soit parce qu'il est un sang qui n'est pas apte à être aspergé sur le misbar, c'est ce qu'on appelle le dam atamtsit. Et Rabbi Eliezer qui vient et qui a discuté sur ça, qui a dit non, je ne suis pas d'accord, on versera le sang. Quand même, on versera ce mélange. Et apparemment, d'où la question, sur quoi Rabbi Eliezer discute? Comme on va expliquer tout de suite, Rabbi Eliezer discute que sur la deuxième partie, mais pas sur la première. Et la Mishnah vient et m'enseigne, sache que malgré tout, si tu as versé le mélange, l'aspersion sera cachère, et on se sera acquitté du korban que je devais apporter. Et bien on va prendre la Mishnah à l'envers, on va dire, si je me suis acquitté a posteriori, c'est qu'a priori il n'y avait pas un grave problème. Le problème en réalité, c'est ce que le Barthénois nous explique, le problème du mélange du sang, il est de ce mélange de sang avec un sang non valide, c'est un problème mis des rabbanan uniquement, une xéra des rabbanan. Étant donné que il peut y avoir fréquemment des problèmes au Beth Amikdash, on s'est trompé, on a eu une mauvaise intention, on a fait des bêtises, on a dépassé l'heure, on s'est trompé, on pensait qu'on faisait autre chose, qu'on allait le manger en deux jours, ça peut arriver facilement qu'il y a des korbanot invalidés. En théorie, lorsque le sang kasher se mélange avec un sang invalide, on devrait avoir les mêmes règles que la Mishnah précédente. Soit, s'il y a une concentration suffisante de sang, tu prends ce mélange, tu le jettes sur le misbéach, on s'en moque du sang non valide. Il n'y a aucun interdit à le verser en théorie. Notre seul problème, c'est un décret midrabanan, de peur que les gens vont voir que finalement, même du sang non valide, qu'on peut quand même l'asperger. Les gens ne vont pas se mettre à croire qu'on peut verser de l'eau sur le asperger de l'eau sur le misbéach, ni du vin sur un misbéach, ni même un animal profane. Mais si toutefois un korban qui a été invalidé parce que tu l'as mal fait, tu t'es trompé d'intention, ou encore parce que tu as pris la mauvaise qualité de sang, tu as pris le sang du dam atamtsit, tu vas quand même asperger le mélange. Quelqu'un d'extérieur va voir ça, va dire « Ah, finalement, c'est quand même du sang qu'on peut jeter sur le misbéach. » Il va y avoir une fois, il va se retrouver dans une situation où il va récupérer ce sang qui n'est pas validé, il va le verser directement sur le misbéach, et là, on va entrer dans des graves problèmes. De ce fait, Chachamim sont venus, nous ont dit «
Xéra, on interdit de verser ce sang sur le misbéach. Le sang mélangé, le sang cachère mélangé avec un sang invalide, on interdit de le verser. On ne veut pas que vous le versez. Il va y avoir des takalotes, des problèmes. Ça va, à la longue, on va se tromper, on va faire des graves erreurs. D'où la raison pourquoi la Mishnah, la fin de la Mishnah m'enseigne que si toutefois, si le Kohen n'a pas posé de question, il s'est trompé, il a jeté le mélange, il a aspergé le mélange, ce sera cachère. Mais a priori, on ne veut pas que tu asperges ce sang. Qu'est-ce qu'il faudra faire avec ce sang? Il faudra le verser sur le petit amas, le petit cours d'eau, le petit ruisseau qui passait à l'intérieur de la Zara. La veille à Yerushalayim, il y avait plusieurs cours d'eau qui sortaient de plusieurs endroits. Ils sont rapportés dans les prophètes, dans les prophéties, que Yetsu, Maim, Chaim, Yerushalayim, et des sources d'eau qui ont s'écoulé. Et là-bas, il y avait donc une petite ama. C'est dommage, j'avais vu le nom, et quelqu'un qui rapportait le nom, histoire d'aller d'élargir un petit peu la culture. Bon, c'est pas précisé, il n'y a pas de nom. En tout cas, il y a, pour plus de précision, un Tiferet Israël nous rapporte qu'attention, tu ne verses pas tout de suite le sang dans la hama, étant donné que le sang il est pour le moment cachère. Tu attends la tombée de la nuit, coucher du soleil plutôt. Le sang va devenir invalide. Dans ce cas-là, un sang se mélange, tout le mélange va devenir invalide. Dans ce cas-là, tu devras le verser dans la hama. La hama, donc, on a dit, c'est le petit ruisseau. C'est pas là qu'on nettoyait aussi la Hazara. On rapporte dans la Mishnah, dans Psachim, lorsqu'on voulait nettoyer la Hazara, il y avait une solution très simple. Puisqu'il y avait ce petit ruisseau qui rentrait d'un côté qui sortait de l'autre. Eh bien, on bouchait la sortie, on laissait l'eau remplir et inonder tout le chasser de la Hazara. Une fois que c'était bien rempli, on réouvrait la valve et toute l'eau s'écoulait en emportant toutes les saletés avec toutes les saletés. D'accord? Ça, c'était pour expliquer c'était quoi la Hama. Maintenant, on a dit qu'il y a deux cas de figure et la discussion entre Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer discute sur quoi? Tout d'abord, pourquoi Rabbi Eliezer discute en réalité? C'est la question de base à poser. Sur ça, il va y avoir deux interprétations. Selon l'interprétation, ça va changer de définir si Rabbi Eliezer parle sur la deuxième partie de la Mishnah ou la première partie aussi. Deux interprétations. Tout d'abord, Damatamtit, c'est-à-dire, d'abord on va partir selon Barthénois. Selon Barthénois tel qu'il s'est présenté, on ne fait un décret que sur quelque chose qui est fréquent. Quelque chose qui est une situation qui n'est pas fréquente de se tromper. Il n'y a pas lieu de te décréter un quelconque décret d'interdire quelque chose. D'autant plus que c'est un problème de provoquer, d'invalider consciemment et activement des corbanotes qui pouvaient être aspergés sur le misbéach. On ne s'amuse pas à faire des choses pareilles. De ce fait, Rabbi Eliezer nous dit, écoute-moi, le mélange de se tromper avec des corbanotes que tu t'es trompé, des mauvaises intentions, shelo lishmo, chutzismano, chutzdimkomo, toutes sortes de problèmes que tu pourrais faire, ça, j'admets, je fais moi aussi le décret. Mais par rapport au damatamtit, il faut savoir, le damatamtit, ce n'est pas quelque chose qu'on rencontre fréquemment, qui coule dans la Hazara. Étant donné que le sang, si on ne s'amuse pas à presser l'animal, le sang ne s'écoule pas tout seul. Il va y avoir un petit peu qui va couler, mais il n'y a pas de quoi faire tout un plat. Tout un plat pour le misbéach, d'aller lui jeter tout le sang. D'accord? Il n'y a pas de quoi de faire un décret, ce n'est pas assez fréquent. Donc sur ça, Rabbi Eliezer l'a dit, sur ça, je ne fais pas de décret. D'accord? Ça, c'était pour la première interprétation du Barthénois. Deuxième interprétation de Rabbi Eliezer, c'est qu'en réalité, Rabbi Eliezer, il a un problème très général de « En gozrin bamigdash lafsid kodashim mishum siyag ». C'est rapporté dans le Tiferet Israël, c'est le Tosfot Tov qui rallonge beaucoup pour expliquer ça. En une phrase, rapporté dans le Tiferet Israël, que Rabbi Eliezer, lui, il a un problème. On ne s'amuse pas à faire des décrets qui vont faire que tu vas faire sortir des korbanot au Betapsoul. C'est-à-dire, il y avait un korban qui pouvait être offert et fait normalement, tu ne vas pas commencer à me faire des décrets de peur qu'on va se tromper dans d'autres situations. Et pour le moment, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire que ces corbanotes-là, tu vas les rendre invalides consciemment et ne pas les égorger. Il faut faire un décret d'interdire de faire des décrets, en fait. D'accord? Ça, c'est l'avis de Rabbi Eliezer. Dans ce cas-là, Rabbi Eliezer discutera même sur la première partie de Mishnah. Et je pense que l'on a tout dit. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.